Vous êtes soudainement propulsé à la tête d'une grande compagnie d'édition de jeux vidéo et avez enfin la possibilité de créer l'open world de vos rêves. À quoi ressemblerait-il? Lieu, époque, scénario, personnages principaux, activités, etc. Le problème, c'est que là, je ne suis pas forcément quelqu'un d'extrêmement imaginatif. Donc, j'aurais plutôt tendance à faire ce que j'aime bien. Hein. Donc, ça serait du post-apo avec un sentiment d'incarnation très profond, énormément de possibilités d'approche. Quelque chose d'assez sombre, d'assez mature, d'assez cynique, d'assez désespéré et sans doute d'assez violent. En gros, je ferais Fallout New Vegas, quoi. Un peu autre chose près. Je ferais le jeu Dragon Ball Ultime, mais pas que Dragon Ball la Terre, hein. Dragon Ball l'univers avec les 7 univers, les planètes, tu vas sur Namek, tu changes d'univers, tu vas chez Zenyo, le dieu de Dragon Ball Super. Je pense que c'est tellement riche qu'on pourrait faire un énorme open world sur plusieurs univers. Moi, j'aimerais bien un jeu d'aventure, genre un peu Indiana Jones, qui se passe entièrement sous terre ou dans des temples, donc un open world, mais entièrement souterrain par exemple, où il faudrait jouer la cartographie avec une map. Y a des jeux qui font déjà de la cartographie, comme les Etrian Odyssey par exemple, et il faudrait soi-même en fait dessiner la map quand on se balade pour essayer de se rappeler où est-ce qu'on a vu des choses, etc. Je pense qu'on peut faire un truc super sympa là-dedans, en open world. Ça peut être drôle. Moi, j'aurais bien un truc du type Free Killings. Je sais pas si vous avez connu. En gros, on dirigerait une sorte de YouTuber dans un van et on partirait à différents endroits du globe pour enquêter sur des lieux hantés. Je sais pas moi, des manoirs, des forêts, des trucs. Ça, j'avoue, j'aimerais bien avoir ce type de jeu. Oh, alors là, tu me demandes de décrire le jeu de mes rêves en open world. Ce serait un monde rétro-futuriste impliquant un monarque corrompu et notre personnage se battrait à l'arc et devrait mener une révolution pour faire tomber le gouvernement dans un monde systémique avec plein de donjons mystérieux à explorer. Alors pour moi, si je pouvais créer un jeu vidéo en open world, j'adapterais la BD DMZ qui parle en fait de l'hypothétique seconde guerre civile américaine où Manhattan devient un no man's land et on a en fait toute la division nord qui se bat contre en fait les restes d'un gouvernement assez en délicatesse et je trouverais cet univers très intéressant, surtout qu'on joue un photographe un peu comme dans Beyond Good and Evil. Déjà, ça ressemblerait pas à un open world. Si on pouvait éviter de faire plus d'open world, ce serait cool. Si je devais créer un open world, je recréais l'ensemble du Japon. Un Yakuza gigantesque. Alors là, comme ça, brûle pour point, je dirais peut-être Alien, même si avoir un open world Alien pour comment dire, recréer ce sentiment d'isolement serait peut-être un petit peu compliqué. Donc non, je partirais peut-être sur un open world Star Wars, tout simplement. C'est pas bien original, mais j'aimerais bien voir, par exemple, tiens, un open world Star Wars développé par Guerrilla. Pourquoi pas, ça pourrait donner, je pense, quelque chose d'assez intéressant. Mais pour moi, il a plus ou moins été déjà créé, ce serait The Witcher 3, c'est typiquement ce que j'aime, c'est-à-dire un background un petit peu sombre, des personnages profonds, une narration un peu ciselée, peut-être que j'aurais rajouté un peu plus de dragons, un peu plus de choses, mais typiquement, c'est ce que j'aime. Alors moi, je verrais bien un simulateur de vie, donc un truc assez réaliste, très exigeant, dans lequel il faudrait exercer un boulot, il faudrait s'acheter le moindre élément de sa baraque, qu'on personnaliserait de A à Z, et surtout on pourrait bouger de planète en planète. Ça, j'adorerais les voyages interplanétaires, un peu à la Ratchet & Clank, mais en mode réaliste. Ça me plairait beaucoup. Quel était votre meilleur et votre pire souvenir de Noël? Alors, c'est pas exactement Noël, c'était plutôt un anniversaire. Je me souviens qu'en 97, je crois, j'avais demandé pour mon anniversaire, donc j'ai pas de souvenir de Noël comme ça, à mes parents de m'offrir Dark Earth, donc le jeu de Callisto. Le jour où j'arrive sur mon anniversaire, en fait, je vois le paquet cadeau qui a exactement les dimensions des boîtes en carton de l'époque, et j'ouvre et il s'avère que c'était une encyclopédie interactive. J'ai été très déçu et j'ai fini par m'acheter Dark Earth avec mes sous que j'ai eu à Noël, du coup. Alors mon meilleur souvenir de Noël quand j'étais tout gamin, c'est quand j'ai eu la Master System. Ça a vraiment changé ma vie et c'est le cas de le dire parce que sinon je bosserais sûrement pas dans le jeu vidéo aujourd'hui. Très bonne console hein, d'ailleurs. Mon pire souvenir de Noël, c'était quelques années plus tard quand je voulais la Mega Drive et que je l'ai pas eu et qu'à la place j'ai eu un radio réveil tout pourri. Radio réveil cassette, hein. Merci les parents. Franchement, j'étais joué de Mega Drive, j'ai eu un radio réveil. Je crois que j'avais envie d'être orphelin à ce moment-là. Mon meilleur souvenir de Noël, c'est quand j'ai reçu la NES. Je m'en rappelle, j'ai sauté sur ma mère, j'étais heureux d'avoir eu la Nintendo. Je savais déjà que le Père Noël n'existait pas. Mon pire souvenir de Noël, ça a été plus récemment. Je devais avoir 25 ans ou un truc comme ça. J'étais malade, j'avais une grippe et j'avais tellement mal que j'étais paralysé. Tout le jour de Noël, couché sur un lit, je ne pouvais pas bouger. Donc c'est vraiment pas mon super Noël.
Alors, mon meilleur souvenir de Noël, c'est quand j'ai eu mon premier PC, je crois, à l'époque. Alors, je ne saurais pas dire en quelle année, ça devait être au début des années 90, peut-être 95, remarque. Ouais, 94-95, un bon PC dont je tairais la marque, puisque c'était une marque, mais avec, il y avait un catalogue, il y avait plein de jeux dedans, et j'étais comme un ouf, il y avait Tomb Raider, il y avait des jeux de foot et tout, c'était génial. Mon pire souvenir, c'est quand j'ai eu ce pull cette année. Alors, je vais parler vidéoludiquement parlant, évidemment. Moi, en fait, le meilleur et le pire souvenir sont au même Noël, c'est Noël 98, quand on m'a offert ma première PlayStation. Parce qu'en fait, on m'offre la PlayStation, donc je me dis « Waouh, super souvenir, c'est fou, première console de salon que j'ai vraiment. » Et en fait, au moment où je la réceptionne, je suis pas du tout maladroit, et là, je sais pas, elle m'a glissé des mains, je l'ai fait tomber direct. Et du coup, je me dis « Oh non, mon Dieu, c'est une horreur !» Et j'ai eu très très peur qu'elle marche plus, et en fait, elle marchait très bien, et elle marche encore aujourd'hui, donc tout va bien. Mais c'était quand même un souvenir atroce, parce que j'ai eu très très peur sur le coup. Mon meilleur souvenir de Noël, ça a été eh bien, la Mega Drive sous le sapin avec Sonic 1, je pense. Et mon pire souvenir de Noël, oh, j'en ai pas tant que ça. C'est plus personnel, on va dire, et ça n'a pas grand-chose à voir avec les jeux vidéo. Alors, je fête pas Noël habituellement, voilà, dans ma famille, on fête pas Noël. Mais quand j'étais petit, je me rappelle que bah, pour éviter que face aux camarades, on ait l'air un peu stupide, eh ben, on fêtait quand même Noël, un semblant de Noël. Et je me rappelle qu'une fois, je suis allé me laver les dents et j'ai fait semblant d'aller me coucher et j'ai entendu des bruits de scotch. Et en fait, c'était mes parents qui faisaient les cadeaux et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de Père Noël à ce moment-là. Donc, c'était mon pire souvenir de Noël. Alors mon meilleur, c'est quand on m'a offert la Super Nintendo avec Street Fighter de Turbo, puisque j'ai dormi avec la machine la veille de Noël. Je savais qu'on me l'offrait, elle était là. J'ai forcé pour avoir la chance de l'ouvrir, mais mes parents m'ont interdit d'y jouer avant le 25, donc j'ai dormi avec. Et mon pire souvenir, je pense que c'est un Noël où ma mère a loupé la cuisson des escargots. Elle en a fait tout un pataquès, ça a mis une sacrée mauvaise ambiance dans la famille, parce que vraiment elle était déçue d'avoir loupé cette cuisson, qui est pas facile, la cuisson des escargots, je le précise, cette histoire est passionnante. Et du coup, pendant des années, on n'a pas mangé d'escargots à Noël, ce qui est bien dommage parce que c'est super bon. Bonjour la rédac, quel jeu prévu pour 2019 ou après attendez-vous le plus impatiemment? Alors pour après, ça sera Cyberpunk 2077. Pour 2019, j'attends avec la plus grande impatience, en espérant que ça sorte, The Last of Us 2, j'espère. Tsushima, je l'attends aussi également beaucoup. Et je suis sûr qu'il y a toute une palanquée de titres qui sont à surveiller et qui ne me reviennent pas tout de suite en mémoire. Mais à mon avis, on aura encore du très lourd cette année. Pas trop prendre de risques, mais pour moi, ce serait The Last of Us 2. Je pense que beaucoup ont répondu ça, mais c'est clairement le jeu que j'attends le plus parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé le 1. Et je pense que le 2 sera encore plus magnifique et gommera tous les défauts du 1, notamment l'IA. Après, je dirais... Mince, mon Dieu. Ah, Cyberpunk 2077, que le nom m'avait échappé, que j'attends énormément. Et pour 2019, s'il sort en 2019, ça serait Metroid Prime 4. On n'est pas encore sûr de la date, mais comme je suis un fan invétéré de Metroid, Metroid Prime 4. Actuellement, c'est vraiment Halo Infinite. D'ailleurs, je me regarde assez régulièrement la bande-annonce qui a été montrée à l'E3 2018. Je vois vraiment ça comme une promesse de revenir un petit peu à ce qu'était Halo au début. Plaisir de l'exploration, un univers qui a l'air vraiment très très grand. J'espère de belles longues batailles organisées sur de grands univers ouverts. C'est ce que j'attends. Là tout de suite, Sekiro me donne très chaud à chaque fois que j'y pense. J'attends forcément beaucoup de choses du prochain Halo Infinite. Mais c'est vrai que là, sur ce début d'année, je suis curieux de voir Anthem aussi, parce que BioWare. Mais non, là tout de suite, c'est clairement Sekiro. Ouais. Alors pour moi, dans les jeux, le jeu que j'attends vraiment, ça va être Biomutant. Ça peut être un énorme four, comme ça peut être un vrai succès d'estime. Et j'espère du coup un succès commercial. C'est un univers qui emprunte à Zelda, Breath of the Wild, certaines mécaniques, qui essaye de mettre en avant énormément la customisation, la personnalisation, même de la façon dont tu vis l'aventure. Enfin bref, c'est vraiment le jeu qui pour moi peut être un peu la belle surprise. Jeu 2019 que j'attends le plus, c'est évidemment Pokémon 8e génération. C'est vraiment un jeu sur lequel j'ai beaucoup d'attentes, on promet beaucoup. Et j'ai hâte de savoir si Pokémon va réussir à la fois à se renouveler, mais aussi à tenir eh bien, la fanbase qu'elle a actuellement. Alors j'en ai pas un, j'en ai plusieurs, ça serait Cyberpunk, Dreams, Last of Us 2, Age of Empires 4.
Alors pour 2019, j'attends beaucoup Days Gone. Et pour après, je serais tenté de dire Cyberpunk et BGE2. En espérant que ces deux jeux ne se fassent pas trop attendre, parce que pour l'instant, ils n'ont pas de date de sortie. Mais c'est vrai que c'est les deux projets qui m'excitent le plus actuellement.